C'est bon? Et ben, next. Retrouver Sébastien à Feldcroft. J'ai promis à Sébastien de le retrouver à Feldcroft et j'espère que sa sœur Anne retrouvera soir en rencontrant une nouvelle recrue de Poudlard. Mais il se passe des choses inquiétantes à Feldcroft. Oh, j'ai plein de trucs après aussi à faire. Parler à Delight Duchesne. C'est pour quelqu'un, je devrais lui parler. La carte de bougie flottante. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de gagner de nouveaux sorts là, ouais. Visibilité. S'entraîner à voler après des flèches. S'entraîner à voler près de la tour de Pont-Désir. Resto Momentum. Ah, ça c'est pas mal ça. Mais du coup, c'est facile à faire et. Ok. Retrouver Sébastien dans la Feldcroft. Ça c'est la suite. C'est la suite de la quête principale. Ok. Ah, j'ai pas vu. Dans cette attribut d'équipement. Du monde. On me demande qui y vit. Allez, go. 2-1. Deux. Trois. 4, 5, et voilà. ouais. Ouah, c'est loin. Méga loin. Méga loin l'autre. Je fais slalom et tout, c'est bon. Tranquille. Je maîtrise. Voilà, comme ça. Venez voir Madame Kogawa. Me revoilà, professeur. Tous mes devoirs sont finis. Félicitations, vous faites preuve de discipline. Vous savez ce que l'on dit. La sagesse est un vif d'or, et vous avez prouvé vos compétences en la matière. Entraînons-nous à Aresto Momentum, un sortilège qui a d'ailleurs été créé pour empêcher les souafles de tomber directement au sol lors d'un match de Quidditch. D'accord. Des mouvements précis et assurés. C'est un M quoi. Après c'est assuré. Piu 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 piu. Voilà c'est. C'est bon, je suis un magicien. Je suis un sorcier. Reste au momentum, ralentit le mouvement des ennemis, des objets, plus la cible est grande, plus le sortilège perd en efficacité. Ok. Très bien. Continuez à vous entraîner autant que possible. C'est pas du tout ça que je voulais. Continuez comme ça. Arresto Momentum. Ok. Pourquoi il y a un marqueur là-bas? Qu'est-ce que je peux utiliser d'autre? Qu'est-ce que je peux gagner d'autre?
Ah oui, attendez, il fallait que j'aille chercher l'amélioration du balai. J'ai zappé ce détail. Bah oui, parce que l'autre il m'a fait dévier de mon objectif. Il m'a fait dévier de mon objectif parce que il a voulu que j'aille capturer des animaux là. Et après j'ai oublié qu'il fallait que je récupère l'amélioration. Il faut que je récupère l'amélioration du balai. J'ai l'impression que toutes les routes mènent à Préolard. Vous êtes de retour. C'est un plaisir de vous revoir. Voilà. Ce balai fera votre bonheur. Je vous le garantis. Par contre, du coup, je vais avoir quelques trucs, je pense. Maintenant, je peux améliorer des trucs. Enfin, ou en tout cas mettre. Bah ça me sert plus à rien, ouais. Le truc vert, ça me sert plus à rien, ouais. Déjà pour commencer. Même les bleus en soi. Ceux-là, genre ceux-là, ça me sert pas à grand-chose en vrai. Tout ce qui est pas équipé, hein. Et en bleu. Je dégage. Voilà. Merci de votre visite. J'espère. Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris deux fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration, plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Irondale un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est à un saut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants. J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'Imelda leur réservait. J'ai été un peu surpris. J'ai hâte de l'humilier à nouveau. J'ai réticence à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite. Nous allons révéler au immense progrès. Article de sport au balai. Cette boutique animée de Préolard est tenue par Albi Wix. Il propose toutes sortes d'articles de sport pour sorciers, notamment les tout derniers modèles de balais. Des rumeurs prétendent qu'Albi Wix crée lui-même des améliorations de balais. Ok, et donc du coup ça m'a amélioré mon truc. Ah. Ok, ça améliore pas. Enfin, ça améliore les deux quoi. C'est pas chaque balai a des améliorations, etc. Ok, ça marche. Un point d'amélioration, un point de talent. Alors, ça serait bien d'avoir ça. Là, je commence à être à court de. Comment dire? De place. Ah, rester au momentum. Oula, le jeu. En route pour faire la course alors. Bah en vrai, vas-y, go faire la course. En vrai, pourquoi pas. J'ai pas l'impression que ça a amélioré grand chose. Ça peut améliorer la durée du boost. Descendre pour entrer. Nous y sommes. Monsieur Wix n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Ah, la personne la plus rapide de Gryffondor. De Poudlard, tu veux dire. Bonjour Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer?
Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Je n'avais à mon sujet, les autres ont eu peur de toi. Et bah alors, t'as fini par faire peur à tout le monde? Ah, je ne manque pas de concurrents. Mais ils ne sont pas très bons. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et ils sont encore plus nuls que toi. C'est chaud par contre là. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? Bien sûr. De concurrents sérieux? Serais-tu en train de me faire un compliment, Imelda? Ouais, ouais. Prends-le comme tu veux. Ça ne fait aucune différence. J'avoue. Les compliments, c'est pour les faibles. Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail. Et je m'en fiche. Je sais que je suis la meilleure. Et ça me suffit. Alors, ça continue pas, de en fait. Battre mon record, cinquième année. Et prends sur toi quand tu auras perdu. Que la course commence. Enfin, un défi digne de ce nom. Yes, allez. Humilié online une deuxième fois. Ouais, c'était acceptable. 2026. Oups. Oula, 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 mais non, mais ça se met à ramer ça, je... là, c'est plus ma faute, là. C'est de jouer contre moi, là, j'ai pas rien. C'est tellement stylé. Incroyable. Par contre, son record, je vais l'éclater. Hein. Voilà. Trop facile, trop facile. Alors? Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible. Je dois l'avouer. Mais... tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de ma propre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. Easy. On verra bien, n'est-ce pas? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes, que tu te reposes sur tes lauriers. On se bat non. Sur la côte sud. Non, si j'ai l'opportunité de t'humilier une troisième fois, il n'y a pas de souci. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. D'abord, Albiowix. Qu'il existe plus accueillant que Préolard?
que mes... Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Irondale. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. En fait, c'est pas mal de... Encore, sincèrement. D'améliorer le balai comme ça assez rapidement. Ça me permet de... Monsieur comme ça me moi-même formant une bonne équipe. Ça me permet de voler plus vite, quoi, tout simplement. Assez rapidement. Vous êtes de retour, c'est un plaisir de vous revoir. Là, c'est une amélioration ou pas? Toujours pas. Merci de votre visite, j'espère vous revoir. Bah, en vrai, j'attends ici et voilà, c'est bon. Hein. Il l'aura. Là c'est la nuit mais... Attends. De la journée. Vous êtes de retour, c'est un plaisir de vous revoir. Toujours pas. Ah, je sais qu'il va rappeler. J'ai pas besoin de vérifier tout le temps mais... Bon ok d'accord, c'était juste pour essayer. Dommage. Plutôt sur l'ennemi en lévitation. On a utilisé une potion d'invisibilité, on a utilisé un breuve orage contre les ennemis. En vrai, une potion d'invisibilité, un breuve orage. Ah, mais contre des ennemis, ouais. Créateur d'invocation. Bon bref, ok. Donc on va tout de suite changer d'apparence, hein. On va tout de suite changer ça. D'ailleurs les apparences du coup qui sont ici, c'est les apparences que je gagne dans les défis. Et je me demandais où c'était passé, et en fait bah voilà, c'est passé là. Donc du coup, alors déjà pour commencer on va changer les lunettes, hein. On va dégager ces lunettes là. Clairement, c'est pas beau du tout. Non. J'aimais bien mes lunettes de base en vrai. Mes lunettes de base c'était pas mal, hein. Oh non, regarde pas non. Non, ça je trouve ça moche ça. C'est celle-là mes lunettes de base. En vrai j'aime bien. En vrai j'aime bien mes lunettes de base. Et le chapeau aussi. On va changer ça. D'ailleurs je peux changer la couleur. Non. Ah oui d'accord. Je peux vraiment avoir plein d'apparences. Non. Bah, pas fan en fait des chapeaux. Hein. Après en vrai celui-là plutôt. Ça passe. Mais le problème c'est qu'il est il est marron. Il aurait été genre noir, ça aurait été plus sympa je trouve. Celui-là, ça, je trouve ça moche. Ah sinon on met pas de chapeau pour l'instant. Sur de coup, bah ça a l'air encore, mais bah on va peut-être changer genre avec emblème de maison, écharpe de premier de la classe. Bah, en vrai c'est pas dégueu l'écharpe de Gryffondor.
Je préfère celle-là. Ouais, en vrai, elle est pas dégueu. Hein. Ah ouais, ah oui, d'accord, c'est pas du tout la même chose. Je veux vraiment être en chevalier. Cape de protection en peau de dragon. Oh, c'est... j'avoue, elle est stylée. Oh, elle est stylée par contre. Hein. Non, j'avoue qu'elle est stylée celle-là. La cape. Je suis pas Superman là, c'est quoi ça? Tenue d'élève qui saute sur sa maison. Non, là c'est trop là. Non, mais je veux pas la cape. Il se tient dans des serpents et des braconniers. Ah, n'empêche, c'est stylé. Hein. C'est dommage que tu puisses pas changer les couleurs. Ou j'essaie un truc. Est-ce que je peux être à poil? Ah non. C'était juste pour moi. Alors attendez, laissez-moi juste remettre du coup mon truc de dragon là. Mais du coup la l'écharpe elle va plus trop, je trouve. Je vais mettre ça. Uniforme d'officier. Celle-là elle va bien avec un hein, avec le. Ah non, je trouve qu'elle est vachement bien en vrai. Non. Non, mais celle-là va bien avec le tout l'aspect un peu dragon quoi. Mais du coup, celle-là elle va plus. Celle-là elle va plus. Non, ça va plus du tout avec le truc. Peut-être un truc genre. Non. Ou pas, hein. En vrai, ouais, voilà. Oups. Donc le feu du dragon qui l'orne. Ouais, mais je trouve que l'écharpe elle va pas trop avec ce genre, avec cette tenue là en fait. Après là avec le dragon c'est pas si mal hein. Vas-y, oh non, je vais garder ça. Mais du coup, attends. Faut changer ça. Ça donne quoi sur lunette en fait? Non. Je préfère avec. C'est un perso qui me ressemble un peu du coup, autant garder les lunettes. Alors, les gants légendaires. Hein. Ah bah. Gants royaux de Poudlard. Gants à carreaux. Gants rivet cèdre, gants duel robuste, une coulisse pourpre. Franchement, les gants légendaires sont stylés. Hein. Ah là, il a quand même plus de flow là. Il a quand même un peu plus de flow maintenant. Ah ouais, non, là c'est moche. Non, 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 c'est moche. Non, c'est moche aussi. Il y a quand même plus de flow là, quand même. Par rapport à avant. C'est mieux là, on est d'accord. Eh bah écoutez, on va le laisser comme ça alors. Un peu plus de flow. Nice. Confringo, Expelliarmus Incendio. Je vous le fais au chat. Alors. Vous ne suivez rien à l'heure actuelle. D'accord. Et bah suivons. Bah du coup ouais, on va aller chez Sébastien. C'est loin? C'est très loin. Carte du monde. C'est méga loin. C'est super loin. C'est vraiment super loin. Bah, vous savez quoi? On va voyager là et après on prend le balai. On dirait que ce lieu sort tout droit d'un livre de contes. Allez, c'est parti. Ah, bah tiens. Tant qu'à faire. Voilà. Ah ok, je peux aller plus haut. Ah mais d'accord, je suis obligé de faire le tour. Je suis vraiment obligé de faire le tour là?
Oh, bon, j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Je n'aurais jamais dû venir. De quoi? Qu'est-ce qu'il raconte l'autre là? C'est quoi ça? Ah. Ah bah c'est là où j'étais pour le... Ah oui, bah c'est là où j'étais pour le la course tout à l'heure. Enfin, la dernière fois. Oh, un arc-en-ciel. Oups. Alors non. C'est bon, j'ai compris, je peux pas aller là-bas. Je suis un tireur avec stupéfix. Ouais, non. Ça va. Je me demande. Oula, oula. Doucement. Demande qui vit. Bah, Sébastien. Oula. Le genre un petit peu là. Te voilà. Oh. C'est pas possible ça. Donc il nous a dit que je vais aller voir sa sœur. Bon. Tout le monde se cache. Nous y sommes. Ma sœur doit être à l'intérieur. Sébastien, où est-ce que tu... C'est bien ce que j'imagine. Il n'y a plus à discuter. Hey. Ça ne brisera pas le mauvais sort. C'est impossible. Et plus vite tu l'admettras, mieux ce sera. Mais on n'a pas encore tout essayé. Il n'y a pas de remède. Quand pourras-tu l'accepter? Jamais. Je ne l'accepterai jamais. Regarde ce que tu as fait. Anne, je suis désolé. Va-t'en. Désolé que tu aies dû assister à ça. J'aimerais rester seul un moment, si ça ne t'ennuie pas. Pauvre Sébastien. Il ne s'attendait pas à un tel dénouement. Excusez-moi, monsieur Palot. Oh oui, vous êtes avec Sébastien. Je vous prie d'excuser mon neveu. Il ne sait pas quand s'arrêter. Il pense pouvoir aider Anne, mais on ne peut plus rien faire pour elle. Je suis désolé, il doit bien avoir quelque chose. Vous n'avez peut-être pas encore trouvé le bon remède. Ah, on dirait Sébastien. Vous pensiez en savoir plus que les soigneurs de Sainte-Mangouste? Les soigneurs ne savent peut-être pas tout, monsieur. Sébastien se consacre entièrement à la recherche d'un remède pour sa sœur. S'il y en a un, il le trouvera. Votre confiance en Sébastien est mal placée. Anne a été maudite par un sortilège de magie noire, et les gobelins ne risquent pas de s'expliquer. Il serait cruel de lui donner de l'espoir. La seule chose à faire, c'est veiller à son confort et rester à l'écart des fidèles. L'espoir peut être une bonne chose. Sauf votre respect. Un peu d'espoir pourrait remonter le moral d'Anne. Vous pensez sûrement bien faire, mais je sais ce qui vaut mieux pour Anne et pour Sébastien. Ils sont aussi têtus que mon frère l'était. Surtout Sébastien. Si vous voulez vraiment l'aider, vous devez vous assurer que Sébastien fait ce qu'il doit faire, pas ce qu'il veut faire. Il n'a aucune idée du mal qu'il pourrait faire s'il n'arrête pas. J'espère que vous retiendrez ce que j'ai dit. Au revoir. Je te demande pardon pour tout à l'heure. Ces crises sont difficiles à supporter. Ma chère Anne, Poudlard n'est plus la même sans toi. Enfin, Sharp est toujours aussi affect. Tu vois ce que je veux dire? J'espère que tu te sens mieux. C'est pas Sébastien. Réveillons.